Les gars, les gars, bonjour à toutes et à tous. Je suis venu sur le rucher pour faire mes pesées. Hein, je pèse toutes les semaines. Je sais pas vous comment vous faites, mais moi je pèse toutes les semaines. Ici, ce que j'ai fait, j'ai enlevé mes nourrisseurs Nico. J'ai mis mes protège-cadres avec, vous savez, le rond mieux pour pouvoir mettre mon candy si besoin pour l'hiver. Je pense qu'il y aura besoin au rythme où vont les choses. Parce que, bon, par exemple, ici, on a Faustine. Donc, Faustine, la semaine passée, était à 34 kg. Vous voyez, le 16 du 10. Elle était à 34 kg et Faustine, aujourd'hui, est à 32. Donc, elle a déjà mangé 2 kg. Hein, vous voyez. Alors, on a Brucia. Brucia, la semaine passée, était à 34. Cette semaine, elle est à 30. Donc, elle a mangé 4 kg. Hein, donc voilà. Bon, faut dire, elle, je lui avais mis un candy d'un kilo par acquis de conscience à un moment, je sais plus pourquoi, le candy a été bouffé. Hein. Donc il y a déjà un kilo de candy qui a été mangé hein, sur les quatre. Donc voilà. Alors on a Tabata. Tabata, la semaine passée, était à 26 kilos. Cette semaine, elle est à 26 kilos. Donc Tabata, bon, rien à bouger. Marjolaine était à 30 kg et Marjo est à 28 kg. Mais ça, déjà l'année passée, elle m'avait fait le coup. Elle mange beaucoup, Marjo. Hein. Elles y vont. Hein. Quand j'ai changé mes nourrisseurs, je vais dire, par les protège-cadres, les populations, ça allait. Je ne vais pas trop me plaindre. Hein. Ces deux-là sont super balèzes. Marjolaine, pas mal aussi, mais celle-ci, bon, moyen, quoi. Hein, on va dire Tabata, ça va, hein, ça va, mais elle est sur 5 cadres aussi. Hein, donc, bon, voilà, elle n'a pas une population comme les autres. Alors, il y a Viviane. Viviane, c'est la reine que Cyril m'a donnée. Viviane était à 10 kg la semaine passée. Et Viviane est à 10 kg cette semaine-ci. Hein, donc, ça va, elle n'a rien bougé. Tout va bien. Lilith, l'essaim que j'ai trouvé sous une table, enfin que j'ai dû aller chercher sous une table, début septembre, hein, si je me souviens bien. Ben, Lilith, la semaine passée, était à 8 kg. Cette semaine, elle est à 6 kg. 6 kg, donc je lui ai mis un petit peu de candy, hein, par acquis de conscience. Elle a 500 grammes, je crois, de candy. C'était un bout de paquet qui me restait. Donc je lui ai mis ça par acquis de conscience. Je pense que je vais recommander du candy de 2,5 kg. On est tranquille plus longtemps hein, avec 2,5 kg. Comme ça j'aurai de quoi nourrir les autres si besoin. Et j'aurai ça en stock. Donc voilà. Voilà. Moi, ils ont mangé entre 2 et 4 kg hein, en une semaine. Hein. Donc en une semaine, ça bouffe. Hein. Je pense qu'il est vraiment important de faire les comptages, le poids, qu'est-ce qu'il y a ma belle, qu'est-ce que tu fais là, pas me piquer, ah oui j'ai vu un frelon européen il y a quelques minutes, il s'était posé là, vous voyez, il était posé sur le truc, il était bien gros, donc peut-être une fondatrice qui va chercher un endroit où se planquer, et de préférence peut-être où se planquer pour retrouver de la bouffe au printemps hein. Donc va falloir que je garde ça à l'œil. Que dire encore, oui je vous avais fait un topo avec la flore qu'il y a autour de mon rucher. Je crois que je vais refaire une vidéo avec ça, je vais la faire juste après, comme ça j'aurai deux petites vidéos à vous mettre. Donc voilà. Ouais, le sucre là, je vais peut-être le ramasser parce que les fourmis étaient dedans. Hein, c'est une plaque de sucre qui était restée dans le nourrisseur que j'ai enlevé. Ouais, ça, je vais peut-être l'éliminer. Bon, allez, je vous laisse les gens et je reviens peut-être sur un autre truc que je voulais vous parler. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais enfin bon, on est là pour parler aussi entre nous. Hein. Allez, à tout de suite.